Micro test, on teste le micro. Maman, oh, y'a mamie, oh, tawata, oh, y'a mamie, oh, y'a mamie, oh, y'a mamie, oh, y'a papa, oh, ma sa yom yo, ma yuba yo, y'a mbebe, oh, y'a yuba yo, y'a mchirima, y'a baba lang la fiki dinta, y'a baba lang la fiki dinta. C'est bon, on y va. Attends, dis-moi l'habitude, tu as déjà soigné qui? Le monsieur qui a mangé 9 œufs et a laissé circuler une odeur. On lui est bastonné presque à la mort et on lui a lancé un sort. Kamcha. Attends, Kamcha qui est ici à côté là? C'est moi qui soigne Kamcha. Mais de fouille, ben. Le grand bandit là. Ah, ça veut dire que tu peux bien me soigner, je deviens comme tu penses là. Toi, par moment, toi, tu fais semblant de jeter l'air, non? Souvent, il fait semblant, mais il ne veut pas. Quand ça sort, ça ne sort pas avec une puissance. Tu as un vide dans le ventre. Un vide où? Un vide. Et je vais te travailler. Tu vas être comme un caporal. Hein? Bah, ballon, autant que tu vas jouer au foot. Hé, hey, je vais jouer au ballon. Oui. Je suis un pro, professionnel. Ouais, c'est ce que ça veut dire. Je te crois. Je connais pas seulement bavarder, mais avec les mains, je maîtrise les airs. Avec j'aimerais. Donc tu maîtrises, soit me fais le jacquetin et passe en route, on me donne seulement le chapeau. Autant ballon, tu vas jouer au foot même plus que les Samuel et tout. Non, il veut te passer. Tu vas jouer au ballon. Tu veux jouer au ballon. Autant ballon, tu vas pas Samuel. Mais c'est un gros, comme les gros, les professionnels. Là. Tu vas me bâcher comme un caporal. Ah, défaut. Bah, finalement, tout veut faire quel travail. Hein? Tout a sorti de prison, tout a commencé le travail ici. Après, tout faisait les motos. Tout gagnait ton petit pain. Le bébé choque, il y a ce mot Bradfordé. Maintenant, tout veut faire le maraboutage. Tout ne voit pas que tout est exposé. Tout est un diable. Tout est un diable. Quant à toi, tout est né comme ça. Tout est né comme les araignées. Si on redressait, tout va casser. On ne peut pas te soigner. Quelqu'un qui est né avec les bras, avec les bras au ventre. Tu crois que même si on te découpait, tu peux encore redresser. Tu peux redresser. Pourquoi tu es malhonnête dans ce que tu faisais? Reste dans ton ventre d'emporter. Et ne te mêle pas de ma vie. Si tu me vois sur la moto, c'est le sport. J'ai ma passion en moi de faire. Ok. Ici, c'est mon ventre d'emporter. Moi, je ne voudrais pas que tout revienne ici. Parce que si tu faisais quelque chose et qu'il y a le retour, il fait sentir une tonne. Mais maintenant, quand il faut foyer, alors tu fais un peu. Je vais bringer un foyer. Je vais aussi se faire un peu. Je vais faire un peu. La table qui est sur la table. Peut-être que tu veux que tu lances un sort. C'est quelqu'un là-bas. Le client est roi. Le client est roi. La tête comme la poisse de tous les temps. Le client est roi, c'est ton chefferie ici. C'est là-bas. Ici, on vendait les boissons. Si tu es roi, va chercher les clients. Faut marcher là-bas. Il faut taper. Tu vas voir les machines. Tu vas voir les machines. Tu vas voir les machines. Tu vas te méfier. Méfie-toi. Tu veux taper. Attends, calme-toi. Hey, laisse. On a avancé à chou, on a. J'ai monté le mauvais moi de côté. Pourquoi tu es malade? C'est le bandit qui viendra augmenter les maladies que tu soignais. Lui, il est normal. Tout est normal. Tu es malade, l'autre veut soigner l'autre. Tout ce que tu avais, Mongol. Contente-toi de ton ventre d'empoté. L'anglais, même, tu ne connais pas. Un faux français à outrance. J'ai dit. Oui, j'ai dit. Tu viens, j'ai dit, j'ai une semaine pour te mettre au top. Une semaine. Comme je te dis là, ça c'est... Tu ne parles à personne, ok? Tu n'écoutes pas. D'accord. La tour du contrôle, du mensonge. On a welcome. Au Kengeru, au Papa Kengeru. On a welcome. Madame, soyez les bienvenus. Soyez bienvenus. Kengeru, Kengeru. Tu sais ce qu'il boit, non? Je te reconnais ton goût. Voilà, tu me donnes... Donne-moi bien fraîche. Bien fraîche. Tu vois quoi? Tu ne parles, écoute. Je dis que tu ne parles à personne dans ce quartier. Oui. Il y a toujours, en effet, j'ai oublié de te dire, mon quartier c'est comme
Je ne veux pas dire boucane. Il y a la vieille boucane ici, mais la seule différence que la vieille boucane ici parle. On a les hérissons, on a les pangolins, on a des reptiles. Oh, tu exagères pas un peu? Oui, parce qu'on fait le bouillon avec les dimanches là. Et ça se voit. C'est même quelque part ici, les reptiles. C'est quelque part ici. Mais on a des gens que la vie a dépassés, ils font même 1000 métiers. Ils sont aidés maçons. Quand la maçonnerie les dépasse, ils font la moto. Quand la moto les dépasse maintenant, ils font dans la voyance. Alors qu'ils ne voient rien. You, vous, écoute la mort. Tu n'importe quoi. Leur vie est bloquée. Ils ne parviennent pas à voir ce qui bloque leur vie. Mais ils veulent voir pour la vie des autres. Bon. Mais, moi, je connais Dagou. Ano Yagou. Madame Boisé-Poix. Tu as vu? Tu vois? Diwana Lascato. Tu as vu? Un jeu naturel, s'il vous plaît. Pas des petits rats qui veulent se comparer à moi. Tu ne parles avec personne dans ce quartier. D'accord. Tu ne parles avec personne. Oui, par l'amour, je me mouille pour toi, c'est l'amour. Merci. Il y a des petits rats qui vont se mouiller comme ça. Oh, t'énerve pas. Ils vont s'embrasser comme le matin. Merci. Tu ne parles avec personne dans ce quartier. Voilà. Regarde comment un mot gesticule plus qu'une femme. Il a un gant qui est plus que la roue. Oh, wow. Ils font la voyance. Oh, wow. Oh, wow. Regarde. Tu sais pour le temps que tu vas me faire l'entrée payante dans ton bar pour éviter certaines personnes. On a un agostopam. Les gens qui viennent ici pour faire les bavadas, les congolais, je vais chasser. Voilà. Ouais, du toxo d'amdino. On ne mélange pas les êtres humains avec les animaux. Mm-hmm. Tu comprends? Voilà ma femme. La suite. Oh. Oui. Et la sucre. Je n'ai plus pour longtemps au Cameroun. Hein. Je voyage. Et le monde va aller au Luxembourg. Il faut se valer et comparer à moi. Vous êtes des bagnotes, des gnotes, des petits bushman. C'est le seul bar où on parle de champagne. Hein. Oui, 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 il n'y a pas eu le stock de champagne. D'accord, la prochaine fois. Donc, quand nous avons rendez-vous à Las Vegas, aux États-Unis. Et où sont un voleur? Un tourbillon du vol. Tu travailles, tu dépasses, tu dis que tu es voyant, tu vois quoi? Le chapeau comme le ciel, comme si c'est le ciel qui couvrait sa tête. C'est le ciel, un vieux. La succession te dérange. Tu es juste de faire la voyance. Pour te mettre. Hein, qu'est-ce? Tu le connais? C'est rat. Et la vie en train de menacer, il dit qu'il fait la voyance. Que voyance? Petit. Non, Ansaï, il ne faut pas lui répondre. Il ne faut pas répondre. C'est la malchance. Petit malchance. C'est la malchance. Tu ne vois pas, il a seulement fait un mois dehors. Regarde ce qu'il a mené. Tu viens mentir les gens que tu fais les voyances. Voyance, tu es malade, l'autre veut soigner l'autre. Petit, vends ta bonté, vends ta bière, disons. On m'appelle. C'est mon fournisseur. Apparemment, il y a le matériel qui est arrivé. Ah, oui, c'est oui, génial. Oui. Allez, mais tu ne parles pas avec les rats. Je ne parle. Tu ne parles avec personne. Je ne parle avec personne. Oui, parce que je sais que, bon, il y a des petits rats. Un grand bandit. Le djoudjou du quartier. Comme si c'est le totem qui portait les babouches. Bonjour ma fille. Ma fille, ça va? Ça va et vous? Vous connaissez le monsieur? C'est mon futur époux. Il a été bastonné plusieurs fois pour le voler. J'espère que vous en croyez. Ah. C'est un voleur. Comme vous marchez avec lui là, vous êtes en danger. Je peux savoir de quoi vous vous mêlez? Je me mêle parce que je veux vous protéger. Je le connais. Où? Tout simplement. On s'est connus sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un gang, c'est un voleur. Ça, c'est un type qu'on a bastonné ici plusieurs fois. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Très mal mauvais. Bastonnade avec brutalité sur ça. Et il n'a pas de spécialité dans le domaine de vol. Canard, il prend. Les poules, il prend. Ce type a un fléau, un truc dangereux en lui. Attendez. Vous êtes en train de parler de mon futur époux, là. Je dis, c'est un bandit. Vous avez déjà vu. Non, nous faisons connaissance. Ça fait pas très longtemps qu'on se parle. Il y a une bosse ici. Vol de lumière comme ça. C'est lui qui a le temple de son Luluamba, là. Pas son loulou, c'est des gens que même ils volent même l'État. Tu mets le poteau comme ça, tu lui que la lumière. Il ne veut pas savoir s'il paye ou pas. Maintenant, ça a tensionné le quartier, on lui a pris en otage. Et c'est la bosse qui est là. Et c'est ce monsieur, vous allez embrasser? Non, jamais. Pas encore.
c'est une chance pour vous. Ah, vous êtes fou. Tu as évité une mauvaise haleine, chance. Pas seulement mauvaise haleine. Tu auras une mâchoire comme si c'est le marteau qui t'a déraciné les dents. Un fléau qu'ils ont dans leur famille. Dès qu'ils t'embrassent, parce que ce sont des voleurs. J'espère qu'il n'a pas encore touché ta poitrine. Non. Nous faisons pas connaissance encore, messieurs. Donc nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. C'est parce que Dieu vous a protégé. Oh, je vous fous, c'est que tu es mort. Tu touches ta poitrine maintenant. Ça va descendre comme un régime de plantain. Écoutez, il va arriver, on va régler ça. Vous écoutez? Oui, oui. Ça va descendre et fou. C'est un mauvais gars. Tout ce qu'il fait au quartier, c'est dangereux. Vous y allez quand même un peu fort, hein? Il te joue okay. Au nom de Dieu. Ça va. Mmh. Ça va. Ok. tout roule comme tout déroulé. Apparemment, les conteneurs vont sortir. Attends, j'ai un problème là. Ces messieurs viennent de me dévoiler certaines choses te concernant. Que monsieur? Apparemment, tu serais un voleur et tu ferais de la magie noire. Que magie noire? Alors, demande-leur des explications. Tu es comme un crapaud ici. Qui te parle quoi, tu crois quoi? Pour l'instant, je pense que je vais prendre un peu de recul. Quel recul? Et puis, on va se reparler plus tard, d'accord? Je vais te laisser discuter avec tes amis et régler tes problèmes, d'accord? Allez, au revoir. Comment ça? Bye bye. Regarde. Ma fille, Dieu t'aime. Dieu t'adore. Et ne passe plus jamais par ici. Oh, encore toi. Si tu veux que tu te lances dans le gigolotisme, c'est un gangueru que tu es allé prendre pour venir nous naguer. Il veut nous épater dans le cachabin. Le vol t'a dépassé. Tout ce qui est mauvais t'a dépassé. Tu as réussi ton coup. Encore toi, tu m'as rentré ça, non? Encore toi, non, il faut. Tape ma main, toi, vois ce qu'il va te faire. Tu vas me faire quoi? Tu es marabout. Et tape la main de quoi? Tant que tu te fesses la bière. Un petit faux marabout. Un petit poufion. Pauvre petit mbangdian. Mais cette dame, je dois faire, ne mets pas tes oignons, non? Nous, on a failli te tuer la dernière fois, non? Te voilà qui revient encore. Petit faux marabout que tu sois. Te voilà qui revient encore. Regarde. Plus jamais, ne me peux pas te lancer. Je t'en prie. Ah, mouf, tu peux lancer quoi? Mouf. Et pouf. Lance. Faux marabout, tu soignes. Maman, même te tire le copain de la mort. Tu as failli te noyer dans la mer, tu voulais entrer en Europe. Pourquoi tu n'as pas réussi? Et ta marabout? Le gang, c'est comme si c'était la robe. Tu as le gang. Tu es un poufion. Comment une fumeuse? Fumeur. Tu es connu que tu ramasses pas tout ce que tu fais la voyance là. Fais comme ça, tu le fous. Un jour, Dieu, tout ce que vous faites ici là, il va vous frapper. Tu avais le serpent, non? Tu le soignes pas? Tu appelles que je sais pas. Regarde, on voit. Tu appelles que je sais pas. Elle fout comme. Regarde, tu partis comme une fille que tu ne peux même pas supporter. Moi, je te dépasse. Non, je me dépasse. Tu loues déjà la femme pour marcher avec. Je loue la femme pour marcher avec. Alors moi, que ta mère ne parvient pas à manger à la maison. Tu peux louer une Lavinos. Je suis comme toi. Tu peux louer une fille. Tu sais d'où elle sort? Tu sais comment j'ai fait pour pouvoir la voir? Maintenant, elle vient tout me saboter. Toi et moi dans ce quartier. Tu ne peux rien me faire. Tu peux rien me faire. Infimus, infimat. Denta. La folie va te prendre bientôt. La folie va te... Tu n'es pas loin de la folie. Après, ce que tu fais là, c'est le vol. Fais comme ça, ton doigt me touche. Que les ancêtres, mes ancêtres, tu ne deviens rien. Tu ne deviens rien dans ta vie. Petit rat. Ah, j'aime beau rien. Tout ce que tu avais lui. Il y a un fou qu'on a fait venir chez toi. Ne me dois-tu plus, hein. Je suis trop brut. Hey, on ne peut pas qu'il te fasse sauter une dent. Dégage. On t'a pris un petit fou amené chez toi. Tu as photo ce qu'il est mort, non? Tu sais que tu voulais le soigner, non? Un jour, vous allez payer. Non, mais toi, tu es mouf. Tu es là, ta vie est bloquée. Tu veux te faire sauter ta dent, hein? Tu veux débloquer la vie des gens. Tu es marabout. Marabout, faux marabout. Faux marabout. On vient, on te trompe quand on a volé le porte-monnaie de quelqu'un. Les gens viennent chez toi. C'est encore la personne qui a perdu le porte-monnaie que tu choisis, que c'est lui le voleur. Tu vois le, où? Tu es voyant. Tu es voyant où? Mouf, mouf, mouf. Mouf. Comme tu as la robe sur toi, arrête ça. Au bout, Vous faites des grimaces à qui? Mouf, que tu fais quoi? Mouf, dégage. Tu sais que tu peux soigner qui ça? Écoute le français, dégage. Il veut me parler aussi. Tu vois pourquoi il te soigne? C'est pas là ton égal. Tu vas te tordre maintenant comme le verre de terre. Quoi, j'avais ton égal? Pour rien. Dis-moi. Tu faisais quoi? Bon, on m'a mis mal dans ton bar. C'est quoi? Je viens avec ma femme, ils ont fait partie ma femme. Tu vois un peu? Madame a parti. Oui, ils m'ont sali. J'étais au téléphone là, il a raconté du n'importe quoi. Que tu es d'abord quoi? Incapable que tu sois. Quoi, Koulo? Bro, vous deux là, vous faites quoi ici au juste? Toi, prends la bière ici depuis 16 heures. C'est devenu le café. Vous me faites quoi? Pâté. Il y a quoi? Ça fait combien le temps que toi prends de la bière ici? La fronde parle. La fronde. Tout est quoi? Vous me voulez quoi ici? Tu vois pourquoi je n'aime pas venir ici? Vous êtes monsieur. Tout vient dire que tu es marabout. Est-ce que des malades, l'autre va soigner les gars? Là, tu n'es pas malade. Bon, partez.
vous devez partir. Dégagez ici. Bonjour, Rémi. Vous devez faire la bienvenue. Partez. Comme vous commencez comme ça ici, oui. J'espère que ça va finir comme ça. Partez. J'espère que ça va finir comme ça, comme je te dis là. Il faut me dire. Toi là, tu ne sais pas avec qui tu as affaire. Tu ne sais pas avec qui tu as affaire. Tu as déraciné les marchands. C'est deux grands voleurs dans les deux. Ils volent la nourriture. Il est tombé derrière la moto avant-hier. Il criait. Le vin rouge qu'il a volé au deux s'est cassé dans la veste. On a dit, ouais, il coule le sang. Que c'est le vin rouge. On vous interdit d'aller les deux, non? Non, stupid, so vous volez même le piment dans les deux. Non, je parle, faut dire quoi t'as. Salaud. C'est quel marchand c'est dans les quartiers. J'ouvrais ma part les boutiques, c'est les voleurs et les bandits et les marabouts. Grand voleur. Toi aussi, bro. Tu ne connaissais pas les chaussures que tu peux mettre tes pieds dedans. Tu n'arrivais pas à manger. Tu pas chercher une blanche. Are you crazy? Non, c'est vrai que tu étais un fou avant. Non, ce n'est pas les folies. Non, tu étais fou. Quand je voyais... Ton histoire, hein? On m'a dit que tu as fait des ans au centre Jameau. Hein? Donc, ils t'ont libéré, ils ont cru que tu es bien. Il y a encore des autres. L'huile coule dans ton cerveau. Je n'ai pas fou. Un fou n'a pas le téléphone. Un fou n'a pas le téléphone. Dégage. Je n'ai pas fou. Tu veux m'enseigner quoi? Tu peux prendre une blanche. Tu vas commencer comment? Commencer comment? Dégage. C'est que tu es jaloux. Unago. Unago. Je ne me mets plus chez toi. Oui, ne mettez plus. Je vais fermer. Si, il faut ouvrir les trucs pour que les fous et les bandits, les soi-disant marabouts venez. Ne venez plus ici. Mais maintenant, quand même, il y a. Maintenant, pour foutre. Oh, oh. Mais maman, tu m'as dit que tu as soif, non? Tu vas boire cette eau ou pas? Mais Yélé, je t'ai dit que je ne bois pas de ton eau. J'ai passé la commande et mon livreur m'apporte mon eau. Maman, tu compliques beaucoup. J'ai une eau minérale comme toutes les autres eaux. Pourquoi tu compliques comme ça? Yélé, la santé n'a pas de prix. Il y a eau minérale et eau minérale. Tu verras la star des eaux minérales tout à l'heure. Mon livreur arrive. Yeah, ma merci. Voilà. Il est déjà là. Il y avait trop de bouchons. Oh, donne-moi rapidement une bouteille. Elle est là. Oh, Valclair, c'est cette eau qui me donne du tonus. C'est cette eau qui me maintient en santé. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que Valclair. Parce que la nature vous offre sa pureté. L'eau minérale Valclair, une eau de qualité supérieure, très douce, digestive, pure et légère. Oh, ne finis pas mon eau. Valclair, si tu n'existais pas, il aurait fallu te créer. Ah oui. Une faible teneur en minéraux, bénéfique à l'organisme de tous et vivement conseillée pour les femmes enceintes et les nourrissons. L'eau minérale Valclair est disponible dans tous les points de vente. Valclair, la star des eaux minérales. Valclair, pure et légère pour votre équilibre. Yeah, visual, oh, 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 o